there's no need to worry anyway. The seasons always find a way to change. I knew that ever since that time that we watched the moon in its brilliance before. Salut à tous amis gamers, et donc on se retrouve pour ce 43e épisode donc de notre périple sur Skyrim. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et alors attendez, je me soigne au cas où, parce que je sais plus si je m'étais soigné. Et j'ai installé un mode en fait qui est très connu, qui permet de porter une lanterne. Et pour pouvoir en fait déjà régler les problèmes de lumière lorsqu'on est dans les donjons ou dans la nuit, et aussi pour pouvoir combattre en même temps qu'on éclaire l'environnement. Alors il faut deux lingots de pierre, enfin deux lingots de fer et une bande de cuir. Alors on va aller chercher tout ça dans notre coffre, et j'espère que chez vous ça va bien bien bien, parce que moi à chaque fois que je tourne du Skyrim j'ai un peu la patate. C'est fou, c'est, je suis juste content en fait, ouais. Content d'être là. Voilà, on a tout pris. Je vais aller acheter aussi peut-être les nouvelles pièces pour ma maison, parce que là Lydia elle ose pas me le dire, mais elle s'ennuie, hein. Je vois bien. Elle peut même pas s'asseoir dans le salon. Voilà. Et je vais aller chercher juste un livre, en fait. C'est un livre que vend Bellator, enfin que vendent les marchands communs, et qui permet de régler quelques options, notamment la luminosité. Alors. Des babioles, des petites choses, ok. Non. Ah, il est là, d'accord. Oui, c'est pas dans le. On n'était pas au bon endroit. Voilà, c'est ça. Revenez donc. Et on va l'ouvrir. Alors. Manuel, voilà. Qu'est-ce que tu veux, je configurer. Alors. Travel lanterne. Alors, je veux la brightness. Alors là, elle est à 2. On va l'augmenter. Ok. Donc, c'est à niveau 3. Et all burning, on s'en fiche. Mode, je sais pas quoi. Turn off and time day. Non, ok. Dimming, je sais pas ce que c'est. Ok, ouais, non. Et général, alors qu'est-ce que c'est? Ok, on s'en fiche. Et ok, bon, maintenant, on a apparemment réglé les problèmes. Enfin, les... le mode, et on va voir si ça marche. Alors c'est dans divers, je crois. Non, c'est pas dans divers, c'est non dans les armures. Alors voilà, je sais pas si on peut mettre ça en favori. Ah bah ça marche, regardez, nickel. Donc on a notre petite lanterne. Alors je vais enlever les torches et on va se mettre là. Voilà, elle est là, nickel. Donc à 4, ok, 4. C'est bon. Ok, bon. C'est nickel. Alors, on va aller continuer notre quête. Je vais pas aller voir les Falmer, parce qu'en fait, on n'est pas encore assez puissant. Récupérer. Mais en fait, on va aller... Ah bah, tiens, ça, on va aller... C'est où, ça? Des Goldir. Ah, mais pourquoi je peux pas... Ah, ok, c'est au tombeau. Ah d'accord, en fait je crois que j'ai résolu un gros problème que j'avais depuis avec mes quêtes. C'est que
j'utilisais la même touche que pour la version anglaise du jeu, en fait, pour afficher la localisation sur la carte, et j'appuyais sur la virgule, puisque la virgule chez les sur les claviers QWERTY et enfin le M est à la place de la virgule, et en gros, enfin, j'appuyais sur la mauvaise touche. Eh d'accord. Bon bah en fait on a réglé un problème. Ouvre-toi, non? Ok. Donc je suis content, là on a fait une bonne chose. Et avant de commencer d'ailleurs le donjon, je vais mettre mes points de compétence. Il faut nous élancer à la poursuite de... Ouais, ok. Donne-moi 2 secondes l'ami. On va aller. J'avais regardé un peu. Armure lourde. Voilà. Et je vais en mettre un en éloquence pour avoir de meilleurs prix. Tac, voilà. 10% meilleur prix, 10% de meilleur prix, c'est déjà pas mal. Alors, chercher les urnes. Ouais. Alors attendez, on va équiper la lanterne, c'était le 4. Voilà, c'est... Ouais, enfin non, il n'y en a pas besoin, parce que c'est vrai que ça... Ça illumine pas mal, hein. Alors. Ah. Il y en a un qui a passé un sale quart d'heure. Ok, rien d'intéressant. Hein. De toute façon, ces drogues, ils sont un peu radins, je trouve. Je t'ai pas vu, toi. T'as failli me faire peur. Tu vas aller voir. Et voilà. Ah, maintenant que j'ai le Fusroda, on dit plus rien. Hein. Voilà, allez, t'es où? Bah je l'ai envoyé où? Je l'ai tué, c'est lui? Enfin lui plutôt. Bon, on a perdu le soldat de Rorg, hein. Là, je sais pas où il est passé. Je sais pas du tout. Oula. Ça va, on a eu chaud. En plus, il y a une urne vide, quoi. Ah mais il y a lui. On peut le fouiller normalement, je crois. Non? Comment ça se fait? Ah bon, on peut pas les fouiller. Pour moi, on pouvait les fouiller. Pardon. Non. Pardon. Non, tu veux pas. Tu veux pas, toi, ouais. Allez, hop, là. Je dois dire que ça aide pas mal, quand même, hein, ce petit cri. Alors. Pas grand-chose, ici. À part une gemme. Ah bah oui, il est là, tiens. Bah dis donc l'ami, mon cri il est trop puissant pour toi. Ah ouais, toi tu vas te réveiller là, tu crois que je t'ai pas vu là? Avec ton petit air, hein. Allez. Ah oui, t'as un délétéré. Allez, alors tu fais plus rien. Non, 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 non. Hop là. Boum, allez. Tu iras voir ta mère, tu lui diras que tu as rencontré le grand Locke et qui t'a un peu mis la pâtée, hein. Comme diraient certains, je t'ai mis le couac. Oh, toi je t'avais pas vu. Oh, saleté, va. Faut pas me faire peur comme ça. C'est quoi? Allez, hop là. J'adore ce cri, enfin, sincèrement, j'adore les développeurs. Mettre un tel cri, c'est quand même assez assez sympa. Ah, là j'ai vu lui qui se ramenait. Et bah ouais, ramène. En fait, il y a toute la famille qui se ramène, c'est ça, c'est pas mal. On a eu le fils, le père et maintenant la mère. Enfin, la mère est un peu masculine, hein, je le conçois. Hop là, allez. Bim 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 bim, youhou. Ah, leurs yeux s'éteignent quand ils meurent. Oh, copain. Oh. Ok, ok, alors, hop là, par contre, ils sont assez bien dotés niveau équipement. Il y a du vin partout là, les mecs, ils ont fait une partie là. Ça a mal fini, hein, comme vous pouvez le voir. Le réveil, il va être difficile pour certains. Par contre, je sais pas pourquoi les bouteilles sont plus... Enfin, elles ont pas le même prix.
Je ne sais pas. Alors on va prendre les pommes. Non, on prend pas les pommes. Et d'ailleurs, est-ce que je peux prendre des affaires? Non. Je peux pas prendre tes affaires. C'est un peu embêtant. Ça, j'aurais bien aimé prendre tout ton équipement. Quoique tu vas, il va nous servir après. Hein. Si vous connaissez un peu le donjon, vous savez que la dernière salle est un peu corsée. Donc un copain, on sait pas trop. Ouais, boîte de plate, c'est bon ça. Ça appartient à ma famille. Ouais alors, hein. D'accord. Mon problème, ok. Ok, ok. Aidez-moi à éliminer Vals. Le mec il commence à s'énerver là-haut. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Arc nordique antique. Prends les flèches. C'est nickel tout ça. Alors là, j'ai une baisse de performance, je sais pas pourquoi. Talos. Pourquoi ta tante y aller seul. Alors excuse-moi, mais ta tante, elle est bien dotée, si on peut dire. Elle est bien vêtue surtout. Alors, en même temps, le mec, hein, il n'allait pas laisser la porte ouverte. Ils enterraient les membres de la famille tombés en disgrâce. Elle nous permettra peut-être d'atteindre la chambre principale. Ok. Donc il nous a dit qu'il y avait une pièce secrète. Elle est pas très secrète, hein. Si c'était la porte là, elle était pas super bien cachée. Et apparemment c'est tout bon, t'as rien autour de toi. J'hésite à installer le mode, vous savez, qui change la texture du temps, du sang. Parce que c'est vrai que c'est un peu, regardez, c'est des faits un peu... Ça fait un peu, ouais, un peu pata. Enfin, un peu, ouais, je sais pas. Je trouve pas mes mots, ça m'embête. Donc, je ne vais rien dire. Je ne vais rien dire. Salut, Billy. Je t'ai rêvé, désolé. Ah, ouais, ouais. Là, y a pas qu'un seul Billy. Allez, hop là. Ouh. Et on fait tourner les serviettes. Fasse gaffe à l'autre en même temps, allez. Hop là, boum. Tiens. Et on s'en va, parce qu'il allait mettre un grand coup. Alors nickel. Allez, on enlève tout ça. Non. On l'aide. Je sais pas. Oh là, j'ai fait un petit pouce, c'est quoi ça? C'est quoi ce petit pouce là, tout caca que j'ai fait? Oh là là. Ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Parce qu'en fait, quand la barre en haut nous dit que notre cri est prêt, donc vous savez, elle est bleue pendant que le cri se charge, et elle devient blanche une fois que le cri est disponible. Mais en fait, c'est pas exactement ça, parce que quand elle est blanche, moi j'appuie sur W, et bah, pourtant ça lance pas le cri. Donc peut-être que c'est moi qui le fais mal, je ne sais pas, hein, mais et voilà, j'ai remarqué ça, qu'il fallait quand même un petit temps en plus du fait qu'elle soit blanche. Il y a une dalle plégée. Il y a une dalle pliée. Ah ouais, elle est mec, oh. Voilà. On a réglé tous les problèmes familiaux. Allez, moi je bats contre le père là. N'empêche, le mec il avait une grande famille, hein, parce que si tout ça c'est de sa famille, si tout ça c'est en relation avec son troupeau, il avait une assez grande famille là. Il avait, je sais pas combien de frères et sœurs il avait, mais ils étaient nombreux. Et hop là, allez, c'est bon. Alors attendez, il y a le timer qui sonne justement au bon moment. Alors on continue de combattre, sans problème. Mais punaise, mais tais-toi, j'ai dit, c'est bon, merci. C'est un petit fou ce timer. Alors là, notre copain là, il tank, hein. Là il prend les coups, là, il y va. Hein. Vas-y, vas-y mec, t'es number one, hein. Ouais. Je te dis, si tu nous sauves de là, je me marie avec toi. Eh ouais, je te le promets mec.
Et ouais, allez. Lui, c'est le petit fils, là, parce que c'est qu'un drorgue. Et voilà, boum. Hein, t'iras prévenir tes parents. Il faut pas sortir tard le soir. Alors attendez, on va juste récupérer tout ce qu'ils ont. C'est intéressant, bien sûr. Et on se dira au revoir là. Après un petit combat où notre... Il m'a surpris, hein. Toi, t'es assez résistant, hein. Et ouais, me regarde pas comme ça. Tu sais que je vais craquer. Hein. Non, plus sincèrement, il nous a bien servi là. J'aurais bien aimé non, en plus quand même. Bah, j'aurais bien aimé quand même, oui, les battre, enfin les combattre tous en même temps. Sans lui à mes côtés, mais ça aurait été sympa. Mais bon, on va pas dire que non plus c'était trop facile. Le coffre. Alors, non, oh. Et normalement aussi, peut-être que la qualité de mes vidéos a augmenté, puisque je choisis un autre format pour encoder. Donc, normalement, vous allez voir une petite amélioration. Oh zut, c'est vraiment à rien. Je pensais pas qu'Adepte c'était aussi dur. Oh la botte de meurtre. La masse elfique, ça peut être sympa. Gili gili gili. Gili gili. Non. Ah si, je peux chercher. Attendez alors. C'est juste que... Voilà. Faut viser son petit orteil. Et apparemment on est tout bon. Alors, vous savez quoi? Je vais vous dire à la prochaine. Ah non, là on n'a pas cherché. Alors on se dit pas à la prochaine, hein, attendez. Moi là c'est... Je suis fou. Si j'ai pas tout mon or, je vous dis pas à la prochaine. Voilà, et là c'est bon. Donc ouais, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, toujours. Détendez-vous. J'espère que mes vidéos vous font toujours aussi plaisir. Et puis à dans deux jours. Allez, bye bye.